mon album a une petite tendance classique, mais écoute, c'est une musique d'ambiance, c'est une musique d'âme, c'est une musique de sérénité. J'ai eu la chance d'avoir une subvention, puis on s'en entendait pas, mais on était content de l'avoir. Fait qu'on s'est permis d'aller dans un super beau studio à Montréal avec des conditions techniques. C'est sûr que je suis un maniaque de son, fait que quand ils me disent oh, « Hey Pascal, on va avoir ça, des bons micros, on a un super bon piano Yamaha », je dis « Wow, OK ». Le monde a besoin... Ils ont besoin d'une musique de détente, une musique que tu peux écouter, qui te fait rêver, qui t'amène, qui t'apporte, qui t'amène du bonheur, des joies, qui va partager ta peine du moment. C'est comme quelqu'un qui te prend par l'épaule et dit « Hey, garde, je suis avec toi ». Moi, c'est comme ça que je l'avoue ma musique. J'ai composé des choses qui sont pas compliquées, qui sont faciles d'approche, des mélodies simples, mais avec l'émotion. C'est mon vendeur, ça a toujours été émotion, 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 on vend ça. Je me donne pas de barrière quand je commence à composer, donc, tu sais, c'est très ouvert. Tu sais, le succès, c'est l'argent pour ben du monde. Ouais, ben moi, je te dirais, j'ai ma petite maison, si je suis capable de payer mes affaires, puis je fais de la musique. Hey, regarde, moi je suis heureux avec ça. Pour moi, c'est ça le succès.